siècle de Caravage dans les collections françaises au Grand Palais à Paris jusqu'au 2 janvier. L'exposition a été préparée par Arnaud Bréjon de Lavernier et Nathalie Vol. Elle a été mise en scène par le grand metteur en scène d'opéra Pierluigi Pizzi, qui a reconstitué, entre autres, le décor de la galerie Lavrière, lieu d'exposition de tableaux tels que pouvait en installer un riche amateur d'art du XVIIe siècle. Nous avons demandé à Dominique Fernandez, romancier, grand amoureux de l'Italie du XVIIe siècle et du baroque, de nous parler de quelques-uns des 170 tableaux de cette exposition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport des bourreaux et de la victime. Les bourreaux sont bien plus intéressants que la victime. Ah oui. Ça relève d'une perversité totale. Ah ben oui. Mais ça, je voudrais que tu m'expliques. Bah écoute, regarde, c'est un peu mièvre de Christ. Par rapport. Et ce qui est intéressant, c'est ça, dans ce tableau. Ce sont des bourreaux quotidiens. C'est pas des. Si on compare avec ce pape Bosch ou tous ces gens qui ont peint ces scènes, ce sont souvent des monstres en dehors de la réalité, des monstres souvent même cornus ou difformes, enfin, et pour montrer que les bourreaux du Christ étaient des gens épouvantables. Là, ce sont des hommes de la rue, ils ne sont pas épouvantables. Les choix des hommes du peuple, ça, c'était révolutionnaire la peinture. Avant, on prenait toujours des gens idéalisés. Il y en a même, il y a des Saint-Jean-Baptiste extraordinaires, on voit les ongles de pied, là, fait la crasse de l'ongle. Qui Caravage? Oui, c'est contraire à toute la peinture qui idéalisée. Parce que voilà, Madone de Budorini qu'on a vu là, des êtres beaux, tout ça, purs, intemporels. Là, c'est des paysans, ce sont des portefeuilles. Enfin, des... Et ça, c'était une révolution à cet âge de la peinture. Bah, totalement, alors, c'est la grande révolution, hein, je crois. J'ai l'impression que le peintre s'est passionné, s'est identifié même avec ces deux personnages, et pas du tout avec le Christ. Sa sympathie profonde, sadomasochiste, comme il était lui-même, va du côté des bourreaux. Et puis il a peint beaucoup de bourreaux, on en trouve tout le temps, dans ce tableau, le bourreau est toujours peint, avec une espèce de... Regarde David, par exemple, un thème qu'il aimait, c'est David et Goliath. Bon, c'est pas un bourreau exactement, parce que c'est quelqu'un qui a tranché une tête. Mais il y a toujours une jubilation dans celui qui est chez l'assassin, qui est quand même frappante. Quel personnage était Caravage? Caravage, c'était un Jean Pasolini, tout à fait. Et il s'est trouvé mêlé à des, tu sais, à des crimes, des meurtres, des rixes en tout cas. Il a été arrêté, enfin des bagarres sanglantes. Et à ce point qu'il a dû à un moment fuir, quitter les états de Rome, les états du pape, il s'est enfui jusqu'à Malte. Il était poursuivi par la justice pour affaires criminelles. Donc ça suppose quand même quelqu'un de pas ordinaire. La famille des peintres, qui sont des gens de bonne compagnie d'habitude, bien élevés, qui se jettent de la peinture à la figure, mais pas, qui ne manient pas le couteau. Et donc il est allé à Malte après des affaires criminelles. C'est-à-dire il s'est enfoncé dans ce même sud qu'aimait Pasolini exactement. Moi je vois un grand penchement entre ces deux personnalités, attirées par la violence du sud, car c'est violent le sud, c'est vraiment ce qu'on croit. Naples et Sicile sont des pays de pas du tout douceâtre. La vie est encore, même aujourd'hui, est encore rude, alors imaginons au début du XVIe siècle. Et ça, c'est des gens du sud, ça, c'est un type d'homme du sud. Même si peut-être romain, je ne sais pas où est, c'était pas ce tableau, mais ce sont des gens. C'est des gens sombres, de peau brune, de un peu brutes comme ça. La grande partie dévolue au sombre, toujours. Et c'était très très hardi, ça. Enfin, des tableaux dont la moitié est noire, enfin, presque noire. C'est le premier qui je crois que c'est l'inventeur du clair-obscur, parce que c'est bien avant Rembrandt, qui était en plein XVIIe siècle. Lui, il est mort en 1610, donc il est né en 1570, donc c'est vraiment fin du XVIe, à l'époque où, au contraire, des tons doux, de l'idée.